On est bon là, hein? Jeudi à vendredi. Donc, nous avons un petit jeudi. Et j'en est-ce que vous bien en ou c'est pour le monde qui monte à bord là. Est-ce que vous bien en demain pour nous capables de démarrer? Parce que Henri Charles. Après, le premier monde qui dit me dit bien en demain et puis pour nous déraper. Ok, Fonte. Ok, on va aller dans mes amis, on va aller, ok. D'accord, Claudie. Ou dit, m'outan de moi, bien content, merci en pile. Je dis, c'est vendredi 1er décembre, c'est jour international SIDA. Donc, grand pile activité que OMS, Organisation Mondiale de la Santé, a fait sur question SIDA. Gagné tout, et en Haïti, tout, il y a plusieurs démarches qui ont fait tout, surtout pour sensibiliser la population. Son nécessité pour lui protéger tête lui contre maladie ça qui existe depuis l'année 80 yo grand pile effort qui fait pour on guérison on mais gagner allo Gerda allo Benoît et mais gagner quand même monde qui monde maladie pas tout monde encore parce que monde prend précaution etc et puis monde dans sa précaution gagner remède même qui pour ça et puis pratiquement un programme qui États-Unis et mettez sous pied et qui sont supposés assistance par le monde qui a souffert avec maladie sida. Donc je dis à ce 1er décembre, c'est journée internationale sida. Dans l'autre nouvelle, ou bien l'autre point qui se sape de l'actualité, c'est que Israël a recommencé bataille là encore, a recommencé à attaquer territoire Gaza et quelques temps seulement après deux parties, on a parlé de Hamas à Israël, pas privé joindre une entente pour que tu aies un cessez-le-feu pour te prolonger cessez-le-feu malgré tout effort négociateur fait mais que les deux parties yo censé pas arriver entendre son série de points etc. tant qu'on demande que Israël fait tout comme demande que Hamas fait donc il va arriver joindre donc bah la camper donc bataille a recommencé qu'on y a c'est l'hôpital yo qui a pu recevoir monde qui blessé et Israël a lancé on sort de carnet de papier pour dire et chercher refuge chercher pour des têtes parce que lui-même l'a pas attaqué et déjà aviation ils ont là lancé aussi des attaques ici aux États-Unis il y a un débat qui a fait en congrès le groupe Kainoué des dominants là pour connaître si oui ou non il a expulsé député américain représentant une représentant est à New York et Santos et bon pour on sait débat que reprocher lui bon il a MCT essayer défendre tête lui et mais gain on vote qui peut faire dans chambre député à pour connait si ou non il a expulsé et qui ça gain puis bon ici Afrique a commencé morder sérieusement donc nous car qui m'a habillé ça traduit nous que gain Freddy vraiment Freddy a fort il fort et il pas dans jouet et même soleil là nous qu'on ouais soleil là il pas levé. Il va aller jeudi à il y a des soleils jeudi à parler et puis jeudi à c'est vendredi donc nous avons un engouement qui gagne conseil de monde cap dégager pour voir dans qui mesure que capable et protéger tout donc sous pas grand on va aller dans l'aria et sur les États-Unis côté faire fret si dans la caillou OK Haïti mes amis il y a des manifestations dans Jacmel pour demander libération et magistrat intérimaire Villa appelé Marquis Kessa. Nous connaissons que le commissaire gouvernement Port-au-Prince Santé a arrêté dernièrement et comme quoi il a gagné assez indice qui t'avait inculpé dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc manifestation a fait, mais il n'y a pas qu'un autre monde qui pour présenter. Et il y a un monde que juge instructeur Walter Wester Walter était voyé et papier timbre ba yo pour être présenté et pour être présenté yo pas présenté surtout dans dossier et corruption que l'ULCC publié jeudi à ta de gain sénateur ancien sénateur Joseph Lambert qui t'a de présenté et il était promettre que il pour aller bonne question quand même mais il dit ba yo accusé yo comme quoi que il t'a détourné bien l'état et sa machine d'état dans milieu il était météo disponible et il t'a demandé pour que et demander pour
pour Sénat, il faut chercher machine ça, il y a une panne, c'était une machine en panne. Donc voilà. Il y a l'autre monde qui est aussi détour dans le dossier de corruption, mais qui n'est pas présenté devant le juge là, parce que dit dossier à juge là, et en fait, pas. Oui. Et commissaire gouvernement, et dossier a dépassé. Et dépassé, monsieur. Dossier ça a dépassé devant. Et devant l'autre juridiction pour l'aller. Donc, il y a des gens qui parlent carrément, tout simplement sous conseil, avocat par eux. Et puis, il y a un dossier qui chance. Bon, moi, je suis capable de parler de ça. Oui, et puis, il y a un ministre de l'Étranger dominicain, République dominicaine, non. Et monsieur Roberto Avares, monsieur était devant deux commissions dans l'Assemblée nationale là, hier, sous dossier Haïti, même sous dossier canal là, et monsieur fait attendre, monsieur bat position gouvernement, monsieur dit que l'été recevait avertissement, il était au courant, mais il a demandé, et l'idée à quoi principe pour que il y ait une négociation qui vous faites entre l'État haïtien avec le Dominicain, mais entre temps, il y a une condition qui est posée, il a demandé pour que canal là campé, construire canal là campé, alors que Haïti dit qu'il n'est pas prêt construire canal là parce qu'il parlait de menaces. Que construction sur le canal ça a représenté pour la République dominicaine, que ce soit ses problèmes environnement, problème, l'autre problème encore, parce qu'il dit que le canal là pas respecté les normes, le canal là a aussi des problèmes techniques, et que l'ICAP crée plus de problèmes que normalement. Donc, monsieur était présenté devant la commission chambre des députés, il a fait une déposition au gouvernement dominicain, sous dossier, son dossier d'avorter devant l'OEA, mais jusqu'à présent, pas grand, pas rien qui dit. Et il t'a semblé que le gouvernement haïtien était, pendant une rencontre que CARICOM t'a fait avec les Émirats Arabes Unis, et bien, et le premier ministre t'a sollicité bon office de l'ancien premier ministre britannique et Tony Blair pour te venir, pour te porter comme garant ou bien encore comme négociateur. Pour qu'il y ait une mesure de partir aux États-Unis, mais toujours il y a un débat qui a fait, parce qu'en principe, il y a un groupe de monde qui a des soutiens, toujours dans le débat dans le Nord-Est, qui en faveur pour foncer à l'ouvrir, et dernièrement, il y a eu des bruits sous barrière, au cas des barrières, pour qu'il y ait des frontières, autorités ont intervenu, et ils ont fait un barrière frontière encore, et ils ont dit que frontière pas l'ouvrir tout autant que autorité de pays pas chiter ensemble et résoudre différents ou bien problèmes qui existent entre eux. Donc son dossier qui était et tout l'ouvrir, mais en attendant qu'il y ait une menace tout cap fait et comité constitution canal là, et il a même dit que il y a travail, mais le travail est assemblé ralenti en termes de qu'il n'est pas gassé l'argent et que problème technique que comité ou bien que commission gouvernement et ou bien que le gouvernement te promet qu'il a supporté travail là, et bien il pas semblé que le gouvernement et vous en commission te viennent garder, mais il n'y a pas de marché, il accueille tout, il y a des jeunes dans la même population, il n'y a pas de bon, donc ça veut dire que encore une fois, il n'y a pas campé la fête, mais pas avec même engouement qui te gagne, et tout comme diaspora tout, engouement qui te gagne, par exemple, il te venu avec un thème qui te dit que le canal n'a pas campé. Et PK, canal à pape campé, donc, mais c'est un problème qui, à long terme, qui a pas problème. Donc, l'autre dossier qui est important, c'est déportation, qu'a dit, et ancien leader rebelle haïtien, et ancien sénateur élu haïtien, Guy Philippe, qui est à une déporté. Monsieur entré en Haïti à bord d'un avion spécial. Et que le service immigration américain loué, voyez, monsieur tourné ensemble avec plusieurs autres monde. Mais le dossier a été plus monde était plus concentré sur la présence de Guy Philippe en Haïti. Et bien, avocat Léo Babi, le fait que le CPJ n'a pas eu accès avec client que tu dit que tu as pris un problème administratif avec elle, il t'a prononcé des questions, mais avocat te dit d'après la loi, on n'a pas questionner au monde sans présence de son avocat. Mais il n'y a pas de satisfait, l'avocat était un genre fâché. Donc, monsieur passé pour minuit en garde à vue dans le DCPJ. Alors, le DCPJ, selon ça qu'il dit, ça semble que Guy Philippe a une plainte qui était déposée contre lui, contre une attaque qui était faite sur un commissariat avec quelques autres installations au CAI, c'était en 2016. Et il a déposé une plainte pour lui, et là, dans l'attaque, ça, il y a un policier qui est mort.
et tu as compris qu'il était déposé secret lui dans la ville au Kai. Et mais Guy Philippe dans toute intervention, même dans l'intervention de fait sur la voie de l'Amérique, il était dit bon, lui-même il était blanchi déjà tellement vrai parce que c'était ballon certificat de bonne vie et mœurs, c'était ballon ce débat qui démettre que le poser candidature, donc le dossier non pas même si dans rapport donc il va gagner pour lui. Mais il t'a semblé que il a eu raison que d'après toute nouvelle qui sortit, c'est à pour dossier ça qui t'a plein de sacs déposés qui n'est pas retiré et prétend qu'elle est toujours kembé et c'est de ces sacs que et raison ça fait que t'as kembé Guy Philippe et avocat lui jusqu'à matin encore était concerté puis au même il était allé dans des cibles parce que des cibles qu'elle était dio éventuellement je dis à tes gars ça client mais Napton entre temps nous on a travaillé ici à ce dossier là pour chercher qu'on est exactement de quoi il s'agit. Mais selon tout ça qui est publié dans les réseaux sociaux, tous les médias qui font des commentaires, etc., il t'a semblé si c'était pour et plainte qui était déposée contre l'ancien sénateur Elua, si c'était pour plainte qui a déposé contre lui, eh bien bon, de ce ça, et il t'a semblé que monsieur capable bien, et il est capable bien voir monsieur au CAI, côté que le aller et répondre avec accusation. Et qu'après celui mais dans le commentaire que tu fais avant ça, elle te dit que la justice est blanchie et que non pas jamais cité dans le dossier-là comme monde qui t'a participé de près ou de loin avec attaque ça que tu fais sur le commissariat dans la ville locale et dans le cas avec l'autre attaque similaire qui t'a fait dans la prison tout. Et bien, je pensais que M. était responsable et il dit qu'il y a un bail qui m'était qu'il n'est pas responsable. Mais en attendant, c'est la dossier ça y est, et en plus, on a posé question tout. Et libération de Philippe qui était fait depuis 7 septembre passé, et lui-même, il est allé dans le tribunal tout parce que Haïti, non, certain, non, premier temps, pas de l'accepter. Et disons-le qu'il t'a prêt à aller. Et Haïti t'a pas le déporté, lui, et puis il a dit, non, pas qu'à aller, bon, sur les techniques, et qu'il n'y a pas. Nous pas une autorisation pour nous voir, et qu'on y a regardé, ouais, je voyais M. Tounet, donc ça veut dire qu'il y a un paquet de dossiers qui est là. Mais le dossier Philippe là, il est toujours là, donc conseillez-nous. La voix de l'Amérique travaille sérieusement sur ce dossier-là. Eh bien, relève non cadet. Cadet Yvon. Eh bien, fort relève. Si vous avez besoin avec moi, relève-moi, et si vous voulez parler avec moi, relève-moi, et puis n'a pas les. Je ne sais pas si je suis besoin de dire. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'ai pas besoin de parler. Et puis, donc ça, c'est le dossier de Philippe. Là. Et puis, mes amis, je vais vous parler de sport. Section nationale de football féminin haïtien est tombée. Nous avons dit devant la section Costa Rica, après un goal 2-1, son goal que Costa Rica, le Ticas de Costa Rica, marqué dans dernière seconde, on a dit, mais dernière minute pendant arrêt de jeu. Et pendant, oui, pendant arrêt de jeu, donc, monsieur, Tikasse, équipe Costa Rica a été besoin de victoire, dit, je n'y, et tout comme Haïti a été besoin de match, il n'y a pas venu, alors que l'équipe l'a mené, il était 1-1, mais prolongation, et pas prolongation, mais pendant arrêt de jeu. Et bien, équipe Costa Rica a marqué un goal, qui a un peu de monde qui discutait. Au cas de discuter, lui, bon, de toute façon, le football, c'est comme ça, le dit, le football, il faut des sons en mon. Haïti était un des seuls en main pour le match. Il était de défendre depuis bien. Et dans la fin du match, il est tombé gaspillé le ballon que tu as pour exciter. De toute façon, je ne vais pas faire de commentaires sur ça. Beaucoup n'y a là, c'est qu'avec 6 points, Costa Rica, le prochain match que l'on a joué lundi, il a rencontré avec l'équipe Saint-Kitts & Nevis, qui sont une équipe qui est très très faible dans le groupe là. Mais si monsieur, si Haïti, alors Haïti dépend actuellement de résultat match ça que Costa Rica va jouer contre Saint-Kitts & Nevis lundi, il dépend de eux parce que si Costa Rica voulait qualifier directement pour Coupe d'Or, première édition Coupe d'Or CONCACAF là, eh bien il a dû caler et Saint-Kitts & Nevis 14-0. Donc il faut d'abord un match de 14-0, mais s'il marquait 13-0, ça veut dire que l'a gagné même quantité de points avec Haïti, même quantité, même différence de goals. Donc là encore, par contre, l'autre barque qu'on cacafra après le bouger est intervenu pour une décision en casse. Parce que Haïti, alors, si tu as marqué 2 goals,
Haïti marqué calé 1 à 0 dans match aller et Haïti perd 2 à 1 donc ça veut dire que qui ça que va regarder etc. pour voir si qui est en deux équipes qui peut aller dans et qualifier directement dans et coupe de CONCACAF édition. Alors nous tout comme tout et destin équipe Costa Rica dans main tout parce que lui même ça va dépendre lui même qui si Costa Rica veut qualifier pour directement pour coupe de CONCACAF là et bien bon il doit au moins battre équipe Saint-Kitts et Nevis qui était faible au moins 14 goals à 0 pour ne pas apprendre du tout. Mais Haïti tout pas ta aimé sa fête parce que Haïti ta aimé que au moins Saint-Kitts et Nevis ça prend moins de goals parce que Haïti a une différence plus 24 alors que Costa Rica a une différence goal plus 11. Et donc Costa Rica prend même quand c'est goal avec Haïti et il marque autant contre Haïti et il prend autant dans Haïti moi il prend deux goals dans Haïti Haïti balle deux goals tout donc ça veut dire balle net rété en deux équipes ça alors ça va passer qu'on y a que ce soit c'est Costa Rica équipe qui résultat si résultat fini moins de 14 goals à 0 ou bien que Costa Rica a calé équipe Saint-Kitts 11 à 0, 12 à 0, mais ça a été pour aller. Si le calé 13, et donc il peut aller à égalité. Mais si le calé à 14, c'est que ça a été pour aller non, directement. Haïti a classé deuxième, donc Haïti pour jouer un match de barrage. Et si c'est que ça a fini en deuxième, que ça a pour jouer un match de barrage. Donc ça veut dire pourquoi gagner. Hey, Yumi, Yannick, comment est donc si c'est que ça a calé, et si c'est Costa Rica qui finit deuxième, Costa Rica pas jouer match de barrage, alors que si c'est Haïti qui finit deuxième, il pas jouer match de barrage. D'ailleurs, il dit que pas grand-rien qu'on décide, et seulement, mesdames haïtiennes, nous attendent, et alors, mesdames, vous avez perdu le contrôle de tout, même entraîner à tout, vous avez perdu le contrôle de tout, les matchs sont finis, les habitants ont campé, les matchs sont finis, parce que c'était quoi, que 5 minutes de prolongation, habitants, de campé, mais habitants, tout, il y a une discussion parce que Haïti était dans 5 minutes là, Haïti était fait les gardiens, la récolte à terre, ou bien le pont combat qu'on est, ils font bon à terre, habitants, ils ont compté tel de faire à terre, donc à dire la mener juste dans 8 minutes. Donc, et comme ça, l'opé du chat est toute excuse pour expliquer pour ça pas de perdre. Qui est rentré dans le même tapé, disait lui, habite là, et habite là, alors, il y a quelques cartons rouges, il y en a deux, éventuellement. Et parce qu'il y a un joueur qui a fait un montant sa velle, qui a cherché à jouer lui. En tout cas, il fait devoir ça. En tout cas, nous attendons lundi 14, nous connaissons lundi 4. Et nation n'a pas connu exactement qui s'est passé exactement. Qui est en deux équipes qui a qualifié directement pour la Coupe de CONCACAF la première édition et qui est prêt à aller jouer au match du barrage. Dans les deux et les deux équipes ils ont toujours envie, ils ont toujours là toujours. Ça va dépendre de tout bas. Ils ont tous les deux capables de qualifier pour faire finale Coupe de CONCACAF la. Voilà c'est ça de cas nous même pas. Et dessin, alors, les difficile le dessin dans mon monde, parce que dessin Costa Rica dans mes et dessin Haïti dans mes Costa Rica. Imaginez-vous, bien ça. Donc, on nous suit pour nous, ça va passer. Bon, en tout cas, ma petite nous, je dis assez vendredi, bon, moi, dans le cas Jacqueline Lacaille, donc Jacqueline Lacaille, dans le cas de dossier qui Philippe là, parce qu'il y a une pile question qui t'a posé, une pile de questions qui méritent réponse, et au point de vue justice, et qui les a qui en prison, qui les a libéré au monde, leur déporte. En général, les États-Unis déportent au monde. Il y a des cas que mon la DCPJ ou la police normalement il doit faire un dossier pour monde. Il y a des monde sous pas représentant menace pour autorité eux, car la gouverne la quand même là. Il y a des monde qui quand on font passer de temps en temps pour faire connaître autorité cola etc. Mais il y a des cas tout. Si c'est pour un dossier criminel, par exemple, pour retourner, etc., eh et bien bon, et des CPJ, il y a un Kimbo. Mais Guy Philippe, là, son dossier qui est beaucoup plus, plus que ça, c'est pas seulement son sénateur, son ancien sénateur, hein, c'est un nègre qui était condamné aux États-Unis pour affaire trafic de drogue, etc. Et, mais c'est pas n'importe monde. C'est pas n'importe monde. Donc son dossier qui est là, et d'autant plus, et d'après ça, que responsable dit, eh bien bon. Moun qui dit Guy Philippe a déporté, ok, frère, non,
baron sauve les dit déporter les déporter vous les dit en bam dit expulser plutôt c'est ça mais depuis où t'es dans prison aux États-Unis depuis t'es dans prison aux États-Unis là fin plus j'ai peur nous regarde ça passer c'est déporter les déporter depuis c'est pas volontairement aller. C'est pas au point d'avion aller volontairement, c'est point au point mais non tourner, c'est déportation. Il va gagner, il va gagner l'autre temps. Souvent, l'autre temps, il va l'autre non pas, parce qu'il y a un conflit, même pas aucun conflit. Mais seulement dire moi, c'est déportation que lié parce que c'est point au point, il met ton avion, il met non tourner la carrière, il va pas mettre ton avion retour pour contourner. Même les tabous de port, depuis que l'autorité point, il met déposer un avion et déporter, déportation. Ok, papa. Nous va discuter non, on va discuter à mon on va discuter sur sujet sur bas ça yo parce que bas ça une sensibilité là-dedans ça dépend de côté au camper moi-même pas camper aucun côté mais seulement tout ça que me connaît et ça que Jean Saïa c'est monsieur dans la prison il a fini dit fin plus j'ai peine ou bien en grande partie dans peine et bien bon pas le bas préfet laisse ça remettre tout bas immigration et immigration travail parle c'est vous retourner dans pays vous retournez dans pays là c'est pas déposer c'est déporter votre permis dans avion ou bien retourner volontairement mais ou aller au déporto le déporto ça veut dire prendre vous mettez dans avion vous retournez dans pays donc les déporter sauf que depuis vous posez candidature depuis bon là bon m'a connaître sur ça ça c'est loi haïtienne qui va quelqu'un pour le connaître et qui l'ont monde. Est-ce que vous êtes capable de candidat et est-ce que vous êtes capable de candidat l'offre de commettre un crime dans le pays ou bien l'offre de remplir pour vous est-ce que vous êtes candidat ou pas ça si pour le conseil électoral provisoire qui parle qu'on est qui s'est capable de faire c'est le candidat donc si l'autorité dit le candidat il est candidat si le candidat pour le candidat il va pas le candidat il va pas le mauvais candidat et bien ok d'accord mais nous tous là pour nous garder seulement qui s'est capable de faire. Qui ça parle? C'est dans toutes conditions pour que les candidats, eh bien bon, la candidat. Début dans toutes conditions. Ouais. Donc, Samson dit, c'est rapatrié. Bon, on va mettre n'importe quoi. N'importe quoi, on va dire. Rapatrié, déporté, expulsé. Balle n'importe quoi. Balle tout le monde. Mais l'essentiel, Guy Philippe a venu. Avec propre volonté, c'est-à-dire qu'il pas mouton avion lui-même saute la caille, il prend avion le vient en Haïti. C'est prend dans la main autorité, il était dans l'immigration, prend immigration pour le mettre dans avion ensemble avec l'autre monde qui était gain problème tout avec la justice américaine et mais ouais tout dans même avion ouais tout monde tout dans ça. Ouais. Non, nous disons comme ça. En tout cas, quand on parle avec nous, quand on fait des conversations sérieuses, même tout éviter conversations sérieuses, parce que les conversations ont tellement de sensibilité là-dedans. Au moins, ça dépend de sympathie pour les gens, qui relation à les gens, qui apprécient les gens. Si les gens ou pas apprécient les gens, certainement, ou pas dire bon bail de lui. Si vous appréciez les gens, ou pas dire bon bail de lui, ou pas dire d'accord, vous dire bon bail de lui, même pas dire de mauvais. Et m'a dit ni bon ni mauvais m'a dit ni rien seulement me dit mais qui ça privé tellement son dossier natal sur lui parce que dossier a mérité en pile grand pile question qu'a posé grand pile question et justice même qui posait nous besoin des experts nous met des experts sur la justice qui pour dire exactement qui ça de fait s'il y a des documents qui prouvaient que il était blanchi monsieur de accusation qui était faite contre lui en 2016 pour te dire que il était gain pour terre avec attaque qui était fait sous commissariat au CAI avec prison civile au CAI là etc. à côté un policier qui était mort et bien si gain une plainte qui était déposée maintenant ça faut gagner avocat si on dossier bas avocat on avocat n'importe un avocat monter la démonter dossier ouais. Donc si gain plainte qui était déposée gain enquête qui était menée mais lui-même il dit que même était non pas cité dans bas là pas du non pas du qu'il était impliqué dans bas là alors que l'autorité dit que bon plainte qui était déposée contre lui dans l'époque là c'est n'a pas eu de 2016 c'est 2013 ça fait 7 ans et il a arrêté lui après ça après l'élection etc. donc qui en fait gagner dossier conseil électoral ou bien encore certificat de bonne vie et mœurs pour le cabaye pour le candidat. Ben ça c'est débat que avocat pour le défendre, c'est ça faut grave avocat. Avocat est job li défendre client.
Monsieur un bon avocat qui est là, qui peut le défendre, si le dossier allait devant la justice, eh bien bon, Orenson libère moi. Eh bien bon, avocat pour le démonter le dossier, mais en attendant qu'il y ait la justice sur Kousli, qu'il y ait avocat représenté eux-mêmes pour le défendre. Nous pas avocat, si nous pas avocat, nous pas appelé le débat, nous pas connaître. Moi-même, son journaliste, moi, seulement je connais que le dossier allait un petit compliqué. Il y a des questions qui méritent des réponses, et ces réponses, ça, que nous avons cherché, nous avons besoin de légalistes, monde qui est dans le domaine légal, qui peut expliquer qui j'en sais, et pourquoi ça, que ça, comme ça, pour ça, que Kimbel, est-ce que tu es de Kimbel, est-ce que tu es de Voué Lakali, nous ne connaissons pas. Madame Saint-Louis, bonjour. Donc, est-ce que tu es de Voué Lakali, pour ça, que Kimbel est en prison, et pour ça, que lui domine dans le CPJ, pour ça, que l'avocat, pas de garde ça, lui, hier, et avocat a été fâché coucou, il a fait pas de commentaires à faire, il a mauvais temps coucou parce qu'il n'est pas content du fait qu'il n'a pas de accès avec client. Donc, on a quitté que la justice fait travail par là, le CPJ fait par là. Eh bien, l'équipe est monsieur en attendant, est-ce qu'il a voulu monsieur retourner au CAI, étant donné que le printemps est déposé au CAI. Donc, pour nous, c'est pas une juridiction sur le dossier, à son dossier a voulu au CAI parce que c'est là où on peut être déposé. Eh bien, dans ce cas-là, avocat, monsieur, pour faire déplacement, Kounia, pour y aller devant autorité, pour y aller défendre le client, pour montrer que oui ou non, que le client, ça a reproché là pas ça. Monsieur, qu'il y a un document dans le mur, pour dire ça a reproché là pas ça. Madame Jean-Baptiste, bonjour. Bonjour, monsieur, de passer un bon week-end. Oui, donc, voilà, mais dossier qui fait là, son dossier qui chaud. Et nous-mêmes, nous encourageons pour rester branchés sur nous parce que nous avons cherché des réponses là et nous avons besoin de rencontrer avec experts légaux, que ce soit sa avocat, moi qui est dans le domaine pour dire oui ou non. Et en question de qui est-ce que, par exemple, il y a quelqu'un qui dit que Guy Philippe est capable de candidat. Bon, je ne sais pas. Est-ce qu'il est candidat? Ou est-ce que l'État haïtien a plein de comptes lui? Et bon, nous connaissons que dit qu'on peut être déposé contre lui pour dossier au cas là. Nous ne connaissons pas que l'autorité haïtienne a eu l'autre plein de comptes lui pour dossier qui était incriminé aux États-Unis, dossier à faire blanchiment l'argent, à faire trafic de drogue là. Nous ne connaissons. Donc, en autant de temps, qui est avocat ou parler, nous disons. Et ça fait que l'avocat, si on a fait procès, nous-mêmes, nous faisons procès, nous condamnons, nous ne pouvons pas faire comme ça. En nous quittant la justice, fait travail, parle. Avocat pour aller, avocat pour aller défendre. Et avocat, ça fait, ou pas capable devant un juge, pour qu'on trouve, faut pas être avec avocat pour venir défendre. Si monsieur a un bon dossier, bien, avocat lui a parlé, il a défendu le dossier, et il a chargé une libération, lui. Et si l'autorité a un bail contre lui, eh bien, bon. Ok, on nous regarde pour nous. Billy Bonhomme, depuis Bahamas, bon bagay. Ok. Mais comment dis-nous, on ne peut pas en discussion sur l'affaire Guy Philippe. Et pas question ça. On ne peut pas en question Guy Philippe ou pas. Et c'est ça qui fait jeudi. Ça qui fait jeudi, c'est que monsieur Yeshua dormi dans le DCPJ. Pour qui raison? De CPJ pas bas explication, c'est ça. De CPJ pas bas aucun explication. Est-ce que le bas explication? Peut-être oui. Moi-même, c'est journaliste, même d'armé, rencontrant avec un soldat de CPJ pour dire, qui ça nous gagne, pour que ça nous gagne belle. Bon. Ok? Qui ça nous gagne, contre lui, pour que ça nous gagne belle, pour que ça nous dit pas la Cali, même j'aime sûr que tout l'autre monde qui est dans l'avion, plus fort, c'est pas tout à la Cali. Il y a aucun bénéfice parce que nos documents, nos bagages contre lui. Mais ben bon, ok, annoncez pour nous, annoncez quitter pour nous, ça va pas passer avec et alors, mon capable de immigrant, de ces immigrations, mes amis, second demande qu'on t'ait fait et pour programme Biden, non, après dit même bagage là, bon, t'y patience. Il y a bien sous quand même sous air ou pour il y a bien sous patience. C'est m'a dit nos parents bien nous. Mon ami qui bon mon blague dit que grand monde et dans sud-est alors lui-même il était fait application pour dire côté faire application pour dire livre machine il était gain il était grand car il gain le vendre depuis janvier mon ami monsieur va un car monsieur a rien côté pas une machine il a gagné tant tout bail il finit régler en force second bagarre il fait second travail continue à travailler chaque jour. Tu vas faire l'école quotidienne, faire l'école chaque jour. Tout autant que réponse n'a pas convenu, tant, pas d'effet de sorgue, pour comprendre que, tout le monde t'a souhaité, faire des demandes aujourd'hui à demain, t'as bon, ben, il y a des gens qui l'ont dit, c'est capitaine.
mais font titane. Et pour les gens qui sont frontières, encore les États-Unis disent nous techniquement frontières fermées. Pas venir peut-être nous venir comme ça. Pas venir peut-être nous comme ça venir. Prendez-vous et leur prendez-vous, jeune rendez-vous, allez dans rendez-vous. Allez dans rendez-vous et faites demande. Ou même sous rendez-vous avec autorité, immigration, mes amis, pas perdre rendez-vous, allez dans rendez-vous, sous changer zone. En même temps, vous étiez Boston, et puis vous avez dit que non, et c'était Miami pour aller. Et bien, sous, au lieu qu'on Miami ou à Boston, faut faire qu'on ait un peu qu'à voir de cela, dans l'autre juridiction, quand vous qu'on y a là. Ou grand doit qu'un dossier à côté d'y a tout, mais là, pour tout voyage, faut obligé aller, mais pas rater rendez-vous. Pas rater rendez-vous, aller dans rendez-vous. Si, ça, c'est pour cas, et pour monde qui fait demande. Maintenant, sous, vous faites demande, et bien, présenter sous frontière, présenter à faire de manou, aller. Et puis, rappeler pour moun kap pran, moun kap pran avion. Autorité américaine, yo, dit, y a pas annulé visa. Tout organisateur voyage kap fait moun yo passer pour yo mener au Nicaragua, pour mener au Nicaragua, et puis de Nicaragua, pour yo faire reste tout là, pour y a sous frontière, et puis pour yo demander asile. Mes amis, depuis au juin que vous êtes passé par Nicaragua, États-Unis déjà clair sur ça déjà, et autorité au pape joué, au déjà dit nous ça déjà, et ben au pape permettre d'entrer aux États-Unis si c'est pas moyen ça au passé. Et pas seulement ici, il y a seulement ici actuellement ici qui a l'autre moyen pour utiliser toujours États-Unis encourage tout le monde utiliser programme Biden. Non, c'est non, on a un programme Clément. Moi-même, j'ai mon programme qui est aussi gentil qu'on s'accorde avec immigrants. Pour Biden, il n'a pas aucune exigence seulement, on a besoin de grand monde aux États-Unis. Un grand monde. Il a 15 ans, mais il a même un chrono même. Il fait une demande pour vous. On a vu un séminaire VOA dans Washington. Fait demande là, non. Fait demande là. Je ne vais pas répondre ça. Fais demande là et puis si on séminaire dans Washington ou bien si on séminaire là va il fait séminaire en Haïti tout va là mais si vous besoin on envie font demande. OK, laisse à monde qui est responsable là à répondre, va pas répondre au monde qui est responsable là vraiment pas ça mon pas que l'autre bagaille tout pour venir dans séminaire tout et qui est ça courir frère, est-ce qu'on courir frère, soit courir frère ces jours là on paye hôtel ou on paye manger ou tout bas ça, soit tout bas ça, garantie à faire demande là. On fait demande là. Ça, ça, Ogenson. N'a pas sur Facebook. OK? N'a pas sur Facebook. N'a vos messages sur Facebook. Parce que, ou sous même page avec moi, n'a fini de discuter de question ça là. Et, OK? Mais, si vous parlez, vous disiez, non pour appliquer pour Biden, non pour, bon. Ou besoin pour appliquer pour c'est ça règlement dit demande pour grand monde qui pour appliquer pour depuis mon appliquer pour vous ou grand plus chance pour venir et États-Unis demande tout le monde qui veut venir aux États-Unis choisir moyen légal là on va bien risquer la vous pas faire problème mon cob pour pas passer sous toute frontière etc. à risquer la vous côté magouille a casser mon pour prendre l'argent dans mon capable même arriver même dans destination quand on pour aller pas besoin ba mon cob ou pas besoin faire tout ça. Program Biden nan li gratis ti chéri. Sou moun dou li fò bal kòb moun nan amagou avò. Li gratis. Ou mè di mwen di ou sa. Program nan gratis. Sou ba moun nan kòb, se pa menm pa. Nan si moun nan pli fòm nan pou mande li si moun vini ou vini kote ou ti moun pou fòm pou. M pa pa aplike pou non m pa pou fòm pou moun pou fòm nan pou m ka mande PM pou moun pou fòm pou. Sa se konisyans pam. Nan si m pa aplike pou ou antre aux États-Unis et nan program Biden nan, program nan di li gratis. Mba mon doit dénoncer mon nom mais pour gagner gratis. OK, et puis l'homme on appliqué pour tout forme non petit temps mes amis toute la journée n'a pas de les mon téléphone dit non il pas appliqué mais pas que j'ai une réponse mon petit patience on connaît ça marche de quoi parler avec nous aujourd'hui. Et Canada a un petit programme tout oui alors programme Canada il n'est pas aussi Clément pour le programme États-Unis. Le programme Canada a commencé depuis ça, presque un mois. Il a commencé, et bien, c'est seulement pour les gens qui ont. Il y a gens qui résident au Canada et il y a gens qui sont citoyens canadiens. Il faut que les gens qui ont même tout, ils parlent dans le programme allemand d'assistance sociale,
li pat condamné gon paquet bagay ke moun nan pa dwe implike la dan li et pou moun avèk mais fò moun son fami proche on proche si kapab tonton pourquoi c'est tonton là dan même kap madame Marie petite et mais fò son fami proche li te ke pou gam Biden nan li même te pa veye konnen kèkò a moun nou ya depuis moun aplike pou ke moun ki aplike pou a li kalifye financièrement li gaman financier il a pris taxi, il a monté tout le monde qui est capable de supporter, et bien bon. Juste temps pour vous voir les papiers bas, et puis checker les taux, checker les courriers de temps en temps. Qui ça? Pourquoi je dis à vous voir les bas là, puis des mots là? Mais pas des programmes dans vos limites, c'est 2 ans liés, mes amis, 2 ans. Nous allons savoir quoi c'est. Gary Altidor, comment est-ce? Nous allons pas longtemps. Nexel B. Et bien bon. Et bien, vous voyez? Donc c'est comme ça, allié là. Et bien, je me suis pris pour un. Oui, mon nom dit Kéyoucho. Kéyoucho. Et bien, bon, je me suis pris de nous. Je me suis parlé avec nous aujourd'hui. Nous parlons de points d'immigration. De ce qui fait, il toujours la voie de la sur lui. D'ailleurs, je crois que Valeur Saint est capable de venir avec une question sur ce dossier. Ça. Bien, Jacques Linto, n'a pas parlé surtout sur le dossier. Et Israël Amassa, qui a recommencé encore pour Pired. Et nous avons un cataract sur le dossier qui fait là. Nous avons un correspondant, nous avons Jérémy. Nous avons besoin de la caille, monsieur, même dans la zone Pestel. Pour nous avoir une réaction, il y a une bonne réaction qui est à côté. Et pour nous avoir une réaction, mon Pestel, pour nous connaître qui ça est, comment vous sentir le fait que vous connaissez qui Philippe Tourné. Et puis nous avons un correspondant, nous avons ville au caille. Et Anseliska. Alors, comme dossier qui vit la Okaï, nous t'avons entendu et position gouvernement dans Okaï, qui ça l'a dit sous question si là, puisque je dis que dossier, t'es compris qu'il est déposé Okaï, est-ce que le prince Salto va là toujours? Et non pas qu'on est questionné sur l'ancien. Gombaï qui va là, Machado Gombaï là. Donc, restez branché. 4 étapes. N'a connait ça passe exactement et puis dossier dominicain dossier dominicain Haïti a toujours été là gen un groupe moun nan nord-est qui yo même moi c'est un groupe moun nan nord-est qui voulait l'ouvrir frontière l'ouvrir barrière par la force pour frontière l'ouvrir mais autorité dit non pas là dans il faut que gen au parti concerné, c'est-à-dire gouvernement avec le gouvernement dominicain, il faut que Chita puisse jouer une entente définitive. Le gouvernement dominicain l'ouvre frontière, mais lui-même, il dit qu'il n'a pas de visa dans le cadre pour. Il n'a pas de visa, il n'a pas de visa. Second visa dans le monde dominicain, dans le monde Kimbel. Mais il dit qu'il n'a pas de visa. C'est seulement qu'il a ouvert une partie frontière pour venir acheter. Seulement, on ne peut pas arriver plus devant. Acheter dans le marché à tourner tout le monde. Donc, les Haïtiens sont fâchés pour faire ça net. Mais il dit que ça ne va pas camper. Et le ministre des Affaires dominicaines était devant le Parlement hier, côté qu'il réitérait encore la position du gouvernement dominicain sur le dossier. Sur le dossier ou sur la construction du canal. Là. Et tout ça, nous avons pour nous. Et si nous avons le journal Lissindiario, qui parle d'un long article sur le ministre des Affaires étrangères dominicain, monsieur fait près de 2 heures de temps à faire des positions sur le dossier. Ça. Eh bien. C'est bonne journée, non. Je dis à moi que je suis là. Je suis gentil, je suis là. Et puis, je suis un visiteur. Bye bye. Et madame Jean-Baptiste. Tout le monde est là. Je dis à moi que je suis content.